Ippolita! La première fois que je suis venu, il y avait que la bicyclette. Oui. Oui, cette fois-ci à l'Autoriadal, parce que j'ai pensé qu'en tout seul, il donnait beaucoup trop d'attention, alors on va distraire un tout petit peu plus le client, hein, une fois qu'il est ici, qu'il voit les images dans la glace, dans le miroir, qu'il puisse s'y distraire un petit peu plus, parce qu'autrement, il est capable de s'obsessionner toujours sur le vélo. C'est mieux qu'il change aussi. Et le Toréador, l'idée, c'est née, non? Oh, le Toréador... Vous savez, c'est difficile. Ça, de toute façon, sur des tableaux humoristiques. Hein. Je n'ai pas l'idée d'aller au-delà, de faire rire, de placer les choses sérieuses d'une manière différemment. Donc, on peut penser beaucoup de choses, mais quand j'ai fait ces deux tableaux-là, j'ai pensé d'abord, c'est une sorte de jeu, c'est un prélude à l'amour. Ça, c'est le désir. L'uccello rapace, n'est-ce pas? L'oiseau rapace. Ça, c'est l'abandon de la femme et le désir de l'homme, transformé en oiseau. Et puis, j'ai voulu faire ça dans ce monde vraiment, l'abandon de la femme, la puissance, la virilité. Puis ensuite, c'est un certain prélude, disons, les couples autour, sur un monticule, comme ça, plein de fleurs. Et puis il y a les îles. Et puis il y a des îles au fond, oui. Les bateaux. Les îles, c'est votre enfance, votre jeunesse? Je crois que oui, c'est mon enfance qui vient toujours, me rappelle les montagnes, les îles, la mer. Les îles éoliennes, la mer. Antonino Stroscio est né en 1931 à Canneto, sur l'île de Lipari, au nord de Messine, en Sicile. Au fond de cette ruelle, à deux pas de la mer, il jouait, petit garçon, avec son frère et sa sœur cadet. C'est là que sont nés ses premiers rêves, ses premiers souvenirs. Voilà, c'est là que je suis né. C'était extraordinaire, donc c'est un rêve, c'est comme un rêve. Ça m'est resté ce rêve, cette image. Et vous avez été heureux dans cette maison? Je crois, mon enfance, je l'ai bien passé. J'étais très aimé, mes parents, les amis. Puis, de temps en temps, mon père il m'avait acheté aussi un petit habit de marin. Et il me faisait marcher, parce qu'à ce moment-là, il y avait Mussolini, il y avait toute cette histoire fascisme. Mais si c'était les marins qui faisaient la marche tous les samedis. Il m'avait habillé en marin et me faisait marcher derrière. De temps en temps, je tombais par terre, il venait au secours. C'était le spectacle, vous voyez, des amis de mon père même. Il venait au secours et puis il venait et me disait, tu as attrapé le lapin? Je me mettais de nouveau debout et via de coup à courir derrière les autres parce que j'avais 4 ans. De cette époque, seuls subsistent quelques photos. Ses parents, son père volontaire en Abyssinie, puis paysan en Afrique, est victime du mirage mussolinien de la terre promise aux chômeurs de la péninsule. La mère reste seule avec ses enfants. La longue absence du père marque profondément Nino. De la mer, moi j'ai un souvenir de mon enfance, de la mer. Je tombais toujours dans la mer,
mais s'y formaient des grandes boules à la mer. J'avais ces grandes boules mystérieuses, mais elles ne se sont jamais cassées. Et je voyais ces boules de toutes les couleurs. Est-ce que vous êtes ça? Je ne sais pas. Il y avait un sens d'abandon et l'espoir dans le même temps, parce que les boules se grossissaient toujours. Et puis on était abandonné, et puis dans le même temps, il y avait cette couleur qui apparaissait, et vous étiez détourné par cette beauté, ces boules qui se formaient, se grossissaient toujours davantage. Un miroir, je ne sais pas, pour moi, la mer, c'est une force, c'est déjà c'est la nature. Moi, j'aime le vent, j'aime l'eau, j'aime le ciel, j'aime les sables qui sont solides, les oliviers, les pins, vous savez, ces pins siciliens. Ces montagnes, cette force de la nature, ça me donne, c'est peut-être mon assurance, si vous voulez, n'est-ce pas? J'ai besoin de quelque chose de m'accrocher, quelque chose qui s'accroche. Strocho, artiste, porte sa Sicile en lui. Les infidèles évoquent des tabous profondément ancrés dans la tradition. La pêche miraculeuse s'inspire des métiers locaux. Une procession dans la région natale de ses parents rappelle son enfance à Vigliatore, hameau de la commune de Fournari, sur la côte nord de la Sicile, où la famille s'est installée lors du départ du père pour la guerre d'Abyssinie. Cette maison-là qui garde en secret tous mes rêves, toutes mes larmes, toutes mes souffrances. Et c'est là vraiment que je suis très sentimentalement lié et que j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré aussi. J'ai senti l'absence de mon père et c'est là que s'est commencé l'aventure de ma mère. Qui a commencé à travailler pour gagner la vie à nos enfants. Et partait le matin et rentrait le soir, et on devait se débrouiller, les enfants devaient se débrouiller. Allora sono stata obbligata a lavorare, cercare di trovare strada, perché come facevo con tre bambine? Uno ci aveva 11 anni, Nino, quando è stato della guerra. L'altra ne aveva 10, che sono state tutti e tre vicino. E l'altro 9 anni e tutti e due i maschietti si sono messi al lavoro anche assieme a me per poter tirare avanti la vita. Volontaire puis colon en Afrique, le père subvenait aux besoins des siens. Mobilisé en 1940, il ne gagne plus rien. Prisonnier des Anglais, il ne revient chez lui qu'en 1946. Alors, donc j'ai repris le chemin de ma mère. Là, j'ai fait ces tournées. Il y a eu l'occasion aussi d'acheter du blé, parce que c'était une sorte de contrebande. On achetait de l'huile aussi. On descendait de l'huile à Messine, on achetait de la campagne, on descendait à Messine. Et cette région, ça me rappelle le chemin que je faisais la nuit, en partant la nuit de la maison pour remplacer ma mère quand elle était souffrante, parce qu'elle souffrait beaucoup de mal de tête, comme ça. Je partais 2 heures du matin pour rentrer, par exemple, le soir à 6 heures, 7 heures du soir. Je m'arrêtais de temps en temps pour me reposer. J'avais toujours mon pique-nique avec, que c'était un bout de pain avec du fromage. Le fromage, c'était déjà pas mal. Hein. Il y avait des fontaines, des sources partout, un peu de l'eau. Et puis, il y avait aussi, je me rappelle aussi très bien, à certains endroits où ils faisaient la ricotte, ils faisaient du fromage. On arrivait le matin tôt. Vous vous rendez compte? On arrivait sur place le matin tôt et nous offrait à manger de la ricotte avec du pain de blé, que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et là, j'ai fait mes premiers dessins. Il n'y avait pas d'électricité. C'était allumé en pétrole
Je me rappelle toujours, le soir, je restais le dernier à ma table, à dessiner, à copier. Et ma mère, de temps en temps, m'appelait, viens dormir, viens dormir. Et si je finissais pas mon dessin, je n'étais pas content. Et j'avais rempli un album de dessin que j'ai gardé vraiment avec un amour extraordinaire. Un bon jour, elle arrive, une cousine depuis longtemps chez moi, elle cherche des journaux, des papiers, je ne sais pas pourquoi, elle, c'était une damoiselle. Elle m'a déchiré deux, trois feuilles de cet album. Et quand j'ai vu déchirer cet album-là, que j'ai regretté toute ma vie, je me suis tellement énervé, je me suis pleuré, je l'ai fait à mille miettes. Je l'ai déchiré complètement. C'était le début de la peinture. C'est-à-dire, c'était le début peut-être de la peinture. J'aimais beaucoup le dessin, j'aimais beaucoup les images, c'est surtout les images mystiques. À ce moment-là, c'était Christ, la Madone, toutes ces images, j'appréciais beaucoup. Et puis, dans cette maison-là, j'ai senti les premiers amours, les premiers désirs pour les filles. J'ai senti de chanter, j'aimais chanter, je voulais chanter, devenir chanteur. C'était l'adolescence, et dans certains cas, je crois que je suis toujours resté adolescent. Parce que je ne suis pas parti, je ne suis pas sorti de ces rêves, je ne suis pas sorti de ces images féeriques qu'on ne les touche pas, qu'on les voit peut-être dans l'imagination, mais qu'on ne les touche pas, qui passe sous les doigts comme ça, et puis disparaît, il revient. Les rêves, les fantasmes de son enfance, Nino les évoque dans presque toutes ses toiles. Ils prennent les formes les plus diverses et les plus inattendues. Là, c'est la femme qui s'envole avec l'oiseau. Et c'est toujours cette manière de cette évasion vers le bord. Et le paysage, de nouveau, c'est la Sicile. Et le paysage, c'est la Sicile, c'est la mer. C'est l'homme et la femme que j'ai mis le titre La Sirène. Et d'ailleurs, voilà, j'ai symbolisé le couple unique qui sort d'un coquillage, donc d'un poisson, coquillage, mais c'est d'un poisson, de la mer. Et puis c'est la femme avec la boucle d'oreille, et l'homme, c'est pas tous les deux unis, embrassés, c'est l'amour. Je suis très attaché à la mer, parce que la mer, c'est l'évasion de l'individu, c'est l'évasion du matérialisme. Certainement, la mer doit avoir une grande valeur dans ma peinture. D'ailleurs, j'imagine toujours, mes sujets, des imaginations, sont pas très claires, sont dans le flou. Dans le flou, et si vous voulez, dans certain sens, je les vois toujours dans un bleu, dans un fond très éloigné et bleuté. Donc, ça doit être entre la... C'est une confusion entre la mer et le ciel. Mais il n'y a pas que l'inspiration, il y a les exigences de la vie quotidienne. À 6 ans, encore écolier, Nino, sur le conseil de son père, apprend le métier de barbiere. Il commence par savonner les clients qu'il ira servir plus tard, à domicile. Il y avait justement 1,5 km de Villatore, et il y a un village.